Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, hier j'étais à Santiago, parce que j'ai fait Porto à Santiago par le littoral. Et puis j'ai décidé de repartir sur Fisterra. Voilà, c'est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Donc je suis partie de Santiago vers 6h moins 20. Et j'en ai aujourd'hui pour. J'étais un peu en dehors de Santiago, donc il faut rajouter à peu près 1,5 km au trajet. Ça doit faire 23, 24 à peu près de Negreira. Donc la forme, ça va. Ça va. Et donc je vais à l'albergue que j'ai été la dernière fois parce que c'était bien, donc je vais retourner. Voilà, je vais essayer de vous filmer pas la même chose, autre chose. Et là ce matin il y a encore de la brume, je sais pas encore, il n'y a pas trop de pèlerins là, il n'y en a que un. Je vais faire un petit tour sur moi là. Voilà, je suis dans la campagne. Il y a du goudron pour l'instant. J'espère que pas très longtemps, je crois. Enfin, je me rappelle plus trop des fois. Et ben, je vous retrouve. Ah oui, je vais vous parler du gîte dans lequel j'étais hier soir. En fait, c'était une chambre, quoi. J'avais loué une chambre et l'accueil a été très très bien. Tout a été bien, en fait. C'était propre, les draps propres. Et c'était la pension, si je me rappelle du nom, pension TAMPE, TAMPE, PR, je ne sais pas ce que ça veut dire, PR, TAMPE, à Santiago, c'est à 1 km de la cathédrale, et finalement c'est pas si loin que ça, 1 km 2, et puis ben, ça s'est très 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 bien passé. Voilà. Bon ben, à plus tard. Là, je suis en train de monter une petite côte sur 300 mètres, je pense, peut-être plus. Oh là, le soleil qui, ouais, le soleil est bien, bien présent maintenant. Mais il fait pas encore trop chaud, chaud. Hein. Devant moi, il y a des pèlerins. Derrière, il y en avait, mais comme la côte est raide, je les ai perdus un peu. Voilà. J'ai déjà fait presque 13 km. Allez, encore une dizaine. Et je vais arriver à Negreira. J'espère arriver avant midi, parce que comme c'est dimanche, au moins aller m'acheter des trucs pour faire le repas. Voilà. Mon lit réservé, pas de soucis. Allez, je suis dans la forêt d'eucalyptus, comme d'hab. Hein. Comme ces derniers jours, partout, de l'eucalyptus. Bon, je vous retrouve tout à l'heure.